Le crash du Boeing 737 ukrainien abattu par erreur par un missile iranien n'en finit pas de susciter l'indignation. Ce dimanche à Téhéran, un rassemblement à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne a viré à la manifestation. La police anti-émeute s'est déployée en masse en tirant des grenades lacrymogènes. Du sang a même été aperçu au sol. Ce dimanche à Toronto, Justin Trudeau a rendu hommage aux victimes canadiennes lors d'une cérémonie pleine d'émotions en présence des familles endeuillées. Le Premier ministre canadien a promis de maintenir la pression sur Téhéran en réclamant une enquête complète et transparente. Vous nous donnez la détermination de demander en votre nom que justice soit faite et que des comptes soient rendus. Je voudrais assurer à toutes les familles et à tous les Canadiens que nous ne nous arrêterons pas tant qu'il n'y aura pas de réponse, tant qu'il n'y aura pas de justice. Téhéran a présenté ses excuses après cette catastrophe aérienne qui a fait 176 victimes. Mais les autorités iraniennes continuent de viser les États-Unis, responsables selon elles des tensions au Moyen-Orient.